67% would not buy fresh vegetables from a shopkeeper, back a neighbour into their community after recovering from Ebola. 15%. So that's a major change in keep the information secret if a family member contracts Ebola. Avant Ebola, un grand nombre d'enfants vivaient comme des orphelins, 10% d'entre eux. 20% vivaient avec un seul de leurs parents. Et avant tout cela, seulement 50% vivaient avec leurs deux parents. Donc je pense que oui, nous allons certainement avoir un impact sur le nombre d'orphelins de plus en plus. Mais il est très difficile de dire combien techniquement pour le moment. Je sais que le ministère des Affaires sociales a enregistré dans la base de données environ 1000 orphelins pour le moment. Mais nous estimons que cela pourrait être entre 1000 et 5000. Nous sommes actuellement 4 à avoir survécu. 8 d'entre eux sont morts. Mmh.